Mardi 19 mars 2019, bonsoir tout le monde, bienvenue dans Téléjournal là, sous Télévision Nationale d'Haïti. Mes grands titres. Président Sénat Karl Murat-Cantave chita palé mardi 19 mars avec ambassadeur Chili en Haïti. Organisation élection, situation compatriote haïtien yo qui dans pays Chili, té nan mitan discussion sa yo. Après vote chambre députée à lundi 18 mars dans cadre séance interpellation premier ministre là, gouvernement Jean-Henri Séance et un gouvernement démissionnaire d'après sénateur Willow Joseph. Ministère de l'Éducation nationale et formation professionnelle, nous tête collé avec UNESCO, tombé lundi 18 mars 2019, l'an, yon atelier travail avec participation environ 50 responsables qui sautent dans différentes directions départementales ministère. Situation toujours difficile dans la commune Belader, spécialement dans la zone qui servit frontière entre Haïti et la République dominicaine, d'après responsable communication et plaidoyer Garland Géralda Saint-Ville, qui précisait tension ça a déjà la cause, yon moun mouri et puis empêcher l'activité fonctionner dans la zone ça. Naturalité, l'autre bord de l'eau, sauf un changement dernier l'air. Premier ministre britannique là, Theresa May, pas capable de soumettre encore vote sous accord négocié avec l'Union européenne là, devant député britannique. Zanmi téléspectateurs, c'est Titi Ayo à Campil. L'autre information, nous prenons le poté pour dans le développement journal là, à Soya. Pièce de rechange et service après vente. Vieux caoutchouc sin top tête chat sa yo encore. Mais, pas gémé, c'est sale caoutchouc qui sont dans top taise pour mettre en bas votre machine nous. Ou à j'en yo tout côté pour vous les caposer. Ok. Pas oublier, top taise. Fun wash, chire route, quoi clou. Ah, gonji boule m'bajoué. Vendre 4 caoutchouc. De quel gros cher vous voulez? Waouh!
marche, chire route, poche clou. Une fois encore, on a salué et puis remercié tout le monde qui branchait Téléjournal Lens ou Télévision Nationale d'Haïti. Dans la présentation, c'est Linela qui est ensemble avec nous. On a démarré tout de suite avec information yo non page météorologique là et ses collaborateurs nous Wilner Polidor qui prend le poté pour nous toute information sous temps pour Assoya. Bonsoir à tous et à toutes. Nous comptons pour nous ensemble avec vous encore aujourd'hui pour prévision météorologique là en allant comment situation est sous région. Gain de l'air qui plus ou moins humide, c'est-à-dire qui sec et stable sous région Caraïbes là cap dominer Caraïbes centrales là dans Haïti. Et ça veut dire jeudi en appartenant avec une journée qui ensoleillé sous majorité département au Jean-Noël là, mais il y a vent aussi qui a venté par moment et par endroit au cours de journée. Mais en début de soirée, au cours de nuit, il a commencé à avoir quelques développements nuageux qui ont baillé quelques gouttes de la pluie. Surtout sous département Artibonite vers le centre, l'ouest a concerné par quelques activités de la pluie. Le sud-est et la Grenade, c'est département qui a eu quelques activités de la pluie, mais c'est très isolé et très faible. Surtout sous tête monio. Capitale là, Nabion capitale aussi cap gain soleil au cours de journée avec vent aussi cap venté mais n'ap gain on température cap mené jusqu'à 34 degrés la fait un peu chaud sous capitale là et au cours de nuit là température a descendre jusqu'à 22 degrés Celsius. Pour la mer, c'est une mer qui agité seulement sous côte sud pays d'Haïti mais pour Golfe de la Gonâve et côte nord pas gain trop souci capitaine yo capable naviguer correct exactement sous zone ça et pour nous finir pour page astronomique là sur la coucher à 6h59 minutes et la lever demain matin à 6h55 minutes. Merci pour fidélité avec attention. N'a croisé demain pour l'autre page météo. Bonne fin de journée ou bonne soirée à chacun de vous. Je nous souhaite annoncer dans grand titio président Sénat Karl Murat Contave chita palais mardi 19 mars là ak ambassadeur Chilia en Haïti. Conjoncti politique là, organisation élection, situation compatriotes haïtiens yo kap vive nan pays Chili. Tenant mitan discussion sa yo d'après sénateur Karl Murat Contave. N'a invité nous suivions extrait nan micro confident Fedner ak Moïse Wilbridge. Moi, je suis rencontré avec l'ambassadeur de Chili. Il est venu rendre une visite de courtoisie et féliciter nous pour l'accession en tête du président du Sénat. C'est un bagage qui est traditionnel. Tout ambassadeur est toujours fait. D'ailleurs, on a reçu plusieurs ambassadeurs et sous ça déjà. Et deuxièmement, il est venu discuter avec nous sur l'élection. Et nous avons expliqué les réserves par rapport. Donc il y a par rapport à la réalisation de l'élection, à cause d'un paquet de paramètres qui jusqu'à présent n'ont pas contrôlé. Et troisièmement, nous avons parlé tout avec l'ambassadeur là sur la crise socio-économique qui est dans le pays sous dialogue là, n'est-ce pas? Qui incessamment doit commencer. Donc ce sont ces points que nous avons évoqués avec l'ambassadeur du Chili
et nous étions accompagnés du sénateur Gélin et du sénateur Dumont qui ont été tout récemment au Chili en mission. Et je crois que le sénateur Dumont, de façon particulière, a mis en phase sur la question de ça. Et celui qui a la mission, je crois qu'il y a 46 000 Haïtiens au niveau du Chili, je crois qu'il y a 32 000, si je ne m'abuse, si je me bien chiffre que le sénateur Dumont a avancé, il y a 32 000 qui a fait papier pour eux, il y a presque 14 000 qui en difficulté toujours, nous demander à l'ambassadeur pour l'accélérer, pour voir dans qui mesure 14 000 ça, ils sont capables d'essayer d'organiser les papiers, puis ils mettre en fait à point au niveau de Chili, puis ils pas en difficulté. Pour l'engagement, qui a travaillé sur 14 000 Haïtiens pour les papiers actuellement là. Nous avons toujours été ensemble avec le président Sénat, Karl Murat-Cantave, qui confirmait séance interpellation Premier ministre Jean-Henri Séan a fait demain mercredi 20 mars à 2h dans l'après-midi. Sénateur Cantave dit processus interpellation a déjà commencé, il doit arriver dans Boutli. On suit. Le sénateur Cantave est le président du Sénat. Il est au-dessus des groupes. Il y a un groupe sénateur, interpellateur, qui a demandé pour le sénateur Cantave faire une interpellation pour eux. Et les là, ont une teneur, je dirais, singulière. N'est-ce pas? Et il a dit qu'après ce voyage de 0 à 9 heures, le Premier ministre avec le ministre, et hier lundi, mardi, de 0 heures à 6 heures, mercredi, de 0 heures à 6 heures, et jeudi, de 0 heures à 6 heures. Tant que l'être là pour qu'on finisse épuisé, par respect pour le sénateur interpellateur, je ne vais pas dire une séance. Donc, suivez mon regard. Monsieur le Premier ministre, équivalent à la séance à gagner par rapport à la décision qui est déjà prise et sénateur, puisque le président de la République a notifié que la Chambre des députés allait renvoyer au gouvernement. Le Sénat de la République est autonome. La Chambre des députés est autonome. Donc, chaque chambre a autonomie, chaque chambre a droit. Agit et suivant Jean, vous comprenez la situation. Le Premier ministre sera reçu par les sénateurs interpellateurs, n'est-ce pas, demain à 2h, n'est-ce pas, au Sénat de la République. Président, le président a annoncé qu'il va en consultation avec vous, avec le président de la Chambre des députés, pour choisir le Premier ministre. Je ne suis pas le président. Le président a son rôle à jouer. La non, chambre, c'est en consultation la chambre, avec les, la la président de la Chambre. Le président a son rôle à jouer. Il peut annoncer. La Chambre des députés a son rôle à jouer, le Sénat a son rôle à jouer. Sous base consultation pour nommer l'autre Premier ministre, si le président de la République invite au Kounia, là, qui répond sur Bali. Je n'ai pas de commentaire à faire sur cette question. Président, corrigez ça avant aussi. Si on l'a fait, vous devez te corriger. Il y a des gens qui disent que si c'est en continuation pour demain, ils ont critiqué parce que si ça va jamais commencer. Ce n'est pas là la question. La question, c'est que nous avons un ordre du jour, et dans l'ordre du jour, là, nous avons un premier point qui s'appelle nous-mêmes. Moi fait appel nominal là. Donc, il y a la séance qui est engagée. Les discussions n'ont pas été encore engagées, mais la séance a été engagée à travers l'appel nominal. Non, je n'ai pas dit. J'ai dit, c'est pas ce que je veux dire. J'ai dit tout simplement que la séance est en continuation. Parce que dans la lettre que m'écrit là, on dit qu'il y a une séance lundi. Mais processus là, sénateur. Le processus. Ce sont des séances qui vont s'articuler pour donner le processus. Donc, processus là poursuivre. Si vous voulez que je corrige, le processus d'interpellation se poursuit. Nous avons enchaîné ensemble avec sénateur Santelon, Willow Joseph, qui fait qu'on est, après vote non-confiance, Chambre députée en bas et Premier ministre Jean-Henri Séan, eh bien, il n'est pas Premier ministre encore. D'après Willow Joseph, séance Sénat programmée demain mercredi, hein, pas changer en rien dans ça. On suit. Laissez la ratification qui a faite, elle est faite dans toutes les chambres. C'est toutes les chambres qui ratifient le Premier ministre. Et ça, la loi dit, la Constitution dit. Mais en ce qui a trait avec le vote de confiance ou de censure, n'importe qui chambre séparément qui a décidé. Et n'importe qui décision, la chambre qui prend, c'est terminé. La Chambre des députés fait un vote.
yo désolidarisé yo avec le gouvernement, c'est fini. Si le Sénat te baille un vote de confiance, c'était fini même genre. Il dit attendre 6 mois pour que yo interpelle encore si n'importe qui chambre te baille un vote de confiance. Étant donné que le Sénat a travaillé sur une interpellation et que pendant le Sénat travaille, la Chambre des députés encore procède à une autre séance. Pas oublier autour des droits. Les légales, les légitimes, parce que chaque fait demande d'interpellation, pas yo. Yo tout été fait. Et pas dans quel côté de la Constitution qui dit ni yo gen droit faire ensemble, ni yo pas gen droit faire. C'est un gouvernement qui démissionnaire parce que la Chambre des députés tranchée. Les tranchées, il dit que les pas reconnaître yo, les révoquer yo. N'a enchaîné ensemble avec député Baraderlan, député Patrick Norseus, qui t'a participé matin dans émission Mise au point sous télévision nationale. Il t'a répondu question collaborateur nous Jean-Serge Lindor sous décision eh bien Chambre députée adoptée pour renvoyer Premier ministre Jean-Henri Séan comme membre cabinet ministériel là. Parlementaire a encouragé président République là pour t'emmener une série consultation yo dans l'idée pour choisir un autre premier ministre avant longtemps. On suit. Nous avons une machine, nous avons les organes pour nous arriver d'Elma. Mm-hmm. Où un chauffeur mettait dans tête machine qui pour conduire machine pour mener d'Elma, l'arrivé grand goave, machine a marqué pas en place. Passagers ont rendu compte que le chauffeur a gagné les patrons en forme ou bien le PACA a gagné avec lui, nous pas privé d'Elma. Eh bien, bon, quoi qu'il nous dit, campé là, nous dit, on prend chance avec l'autre chauffeur. On mette l'autre chauffeur pour nous essayer d'arriver d'Elma. Eh bien, je vous dis, un pays a un ensemble de problèmes que nous devons adresser, nous devons améliorer la situation de la population. Au mois de septembre, nous mettons le Premier ministre à la tête d'une machine gouvernementale, justement pour adresser les problèmes. Pour comment on a atténué la souffrance peuple haïtien. 6 mois après, nous rendons compte que la machine n'a pas marqué en place. Et le problème est empiré par rapport à janvier en septembre. Taux d'inflation monté, dollar a atteint une flèche 85%, 85 gouttes pour dollar. Nous disons stop, nous avons changé chauffeur, nous avons changé, par contre, tout le monde avec la machine pour que l'autre chauffeur, pour une chance au moins, peut-être après 3 mois, on va dire si le choix est différent, est-ce que le débat n'est pas de bon. Mais on a changé de chauffeur pour nous, est-ce que le nouveau chauffeur est amené à Delma? Il est aussi simple que ça. Il est aussi simple que ça. Si ça vous dit. Non, nous justement, nous changer de chauffeur pour nous, est-ce que nous arrivons à Delma? Parce que jusqu'à présent, c'est Léogan nous est toujours. Donc, nous sommes Léogan jusqu'à présent, c'est Grécien nous est toujours. Nous sommes atteints Marianne Carrefour même. Et machine de camper. Donc, nous changer chauffeur pour avoir une chance de vivre d'Elma. Donc, c'est ça. Et c'est ça, la Constitution te prévoit. Qui fait que, comme il connaît que ou pas qu'à ajouter président pendant mandat 5 ans là, pour éviter l'instabilité que dans toute histoire nous connaissons, hein, président pas qu'à dissoudre le Parlement, qu'on y a le météo monde qui est premier ministre, que le bail contrôle la machine exécutive là, ou ma machine gouvernementale là, et que nous savons à tout moment, si le bail pas qu'à marcher, il faut que nous casser tête li pour que l'autre équipe. Vous faites appel à d'autres mondes dans la société pour nous résoudre le problème. Et autant de fois, machine gouvernementale n'a pas pu marcher. Ils sont capables de faire remaniement, ils n'ont pas changé de premier ministre, ils n'ont pas fait bon, le platage gouvernemental, ils n'ont pas fait remaniement. Mais chaque fois que la nécessité a posé, que le premier ministre, bah, il a empiré dans le pays. Et que l'innécessaire pour nous obliger à camper, pour nous prendre l'autre chauffeur pour conduire la machine, et c'est la constitution qui t'a mis comme ça. Mais si on t'a dit tout, les gens écrivent depuis septembre 9, pour y aller à la journée, le 17 octobre, après ça, le 18 novembre, elle n'est pas déjà vraiment contente de grâce. J'ai un pile pour le ministre qu'on gagne, et qu'on dit pendant la période de 5 jours. Eh bien, pour ça, le dit là, oui. Bon, on t'a dit le 17 octobre, c'est pour ça. Oui, il est sorti dans G8, il est sorti dans la classe politique là. C'est une. Bon, dans son jeu, tu as gagné Edgar Leblanc, tu as gagné Ignace Saint-Fleur, tu as gagné Udé Antoine. Qui ont bon technocrate, ou jeunes technocrate, ou bon technicien, on a là, il est Antoine, c'est que pour le lycée. Mais c'est dans 4 mounes à eux. Ils ont choisi pour le lycée, c'est parce qu'ils pensaient que dans la situation politique, nous étions,
Premier ministre a été beaucoup plus adressé problème politique yo avec protagoniste qui est dans crise politique là. Et peut-être avec l'autre, c'est comme c'est un monde qui n'est bon, pas professionnel, docteur, il connaît pile le monde dans la société, etc. Je pensais que le TK a adressé le problème avec d'autres secteurs clés de la nation hein, et avec la classe politique, là, pour que au moins atténue la crise politique. Là. Mais au lieu de crise politique atténuée, puis au 17 octobre, puis au 18 novembre, puis au 7 février, il n'y a aucune. Voilà, c'était précision, député Baradère, là, Patrick Norzeus. On a toujours été dans l'actualité politique là, avec le collectif Organisation Populaire pour Progrès d'Haïti, COPA, qui fixait position le mardi 19 mars là, sous conjoncture politique actuelle PIA. Coordonnateur général COPA, Belange Lifette, souhaitait président République là, Jovenel Moïse, prendre disposition pour choisir moun li faire confiance pour mettre bon côté pour le cas accompli promesse li te fait yo en suivi en bout. Nous mandé président pour le pas prendre dans aucun secteur qui vient imposer la conseil des premiers ministres. Jodi a COPA collectif là vient mandé président pour lui appliquer constitution amendée pour qu'il nomme un premier ministre et pour entrer en fonction à partir de semaine ça même. Et nous demandons président dans entourage au niveau du palais national faut ils font lavage la donne. Faut laver palais parce que palais a plein traite la donne. Jodia COPA collectif des organisations populaires retourner engager encore et renouveler engagement 5 ans on joue pas manquer sous lui. Population levé campé lidi bay pays a yon souffle. Nous te voté président Jovenel pour 5 ans. Laissez-le faire 5 ans nan, nan tête collée, nan union, nan la paix. Quand on a parlé éducation ensemble avec ministère éducation nationale et formation professionnelle, notre tête collée à l'Institut international planification éducation, une unité en dans UNESCO, qui est en main lundi 18 mars 2019, un atelier travail avec participation environ 50 responsables qui sortent dans différentes directions départementales ministère SILA. Activité SILA doit permettre aux acteurs d'identifier les problèmes du système éducatif à faire face et puis proposer un plan stratégique pour résoudre les problèmes SILA. Nous avons invité à nous suivre un reportage avec Roland Laguerre et puis l'Aurore d'Arly Jean-Jacques. Pendant 3 jours, différents cadres qui sont dans 10 départements géographiques pays doivent brasser l'idée. Analyser information yo ramassé sous situation globale éducation dans chaque département dans l'idée pour renforcer système éducatif là selon James Logiste et spécialiste programme éducation dans bureau UNESCO en Haïti. Li fait connait participation direction départementale yo compter en pile pour définir plan stratégique pour attaquer problème yo. Programme ministère là qui visait à renforcer capacité direction départementale yo. Donc, c'est-à-dire chaque direction que le gagne dans chaque département, il veut renforcer ses capacités pour être capable de faire exercice de planification de l'éducation. C'est-à-dire exercice qui peut regarder qui sa situation éducation est dans le département, qui principe le problème, qui sa cap marché, qui sa cap marché et qui répond sur une beauté. Donc, c'est dans le cadre de ce projet, ça a venu pour renforcer ses capacités de direction pour être capable de faire exercice ça. Exercice de planification qui peut être projeté jusqu'à 2030. Et donc, exercice ça, il y a une pratique faite avec beaucoup plus d'emphase au niveau national. Donc, ça que nous constatons, le que le plan SAIO pour le mettre en œuvre, nous connaissons des petits soucis dans la mise en œuvre parce que la direction départementale de qui n'a pas les d'ailleurs, pas trop impliquée, soit parce qu'ils n'ont pas de capacité, soit parce que d'autres raisons. Donc, du coup, l'idée de ce projet, c'est de faire en sorte qu'il y ait une capacité pour mettre à part l'exercice de planification, ça, et que parce qu'ils même qui plus près de l'école, qui plus près de la communauté. Donc, une fois que vous même vous avez mis en planification, la réponse qui peut être portée dans le secteur éducation est beaucoup plus pertinente avec la réalité que le secteur a confronté. Et spécialiste là mettait accent sur l'importance activité SILA qui, d'après lui, rentrait dans le cadre d'un projet Institut international planification et éducation, est lancé dans la tête collée avec le ministère depuis novembre 2018. On voulait formation qui est vraiment importante là-dedans. Donc, son volet de formation, mais qui est vraiment couplé, d'autre cas, c'est assez intéressant avec du coaching pour que le que DDO vini, CADO vini, prenne des formations théoriques
Et leur retour dans la caillou, ils ont parlé mettre main à la pâte concrète. Nous avons des spécialistes qui ont accompagné au supérieur pour garder qui gens qui ont traduit formation théorique ça, la réalité que rien chaque jour. Atelier Sayo Kabout mercredi 20 mars 2019, c'est un exercice pratique qui rentre dans le cadre pour GSA qui joue un support financier Union européenne qui mobilise une enveloppe de 2 millions de dollars américains et qui vise pour porter amélioration dans le système éducatif haïtien. Merci Roland ak l'Aurore. Moment arrivé pour nous prendre l'autre pause. N'abtenez tout de suite. Journée n'est pas facile. Où tout est ça? L'autre nègre est occupé dans la mine. Il y aurait les nous pour venir pour tes mains. Et c'est là ça, moi ouel. So, qui ça fait? Ça un garçon tout bon t'a fait. Où il veut sauver? Madame Pito non. Nèg brave ça au jeune force courageux dans un bien qui tient, qui gagne âme, un bien solide, solide. Tant coup, Turbo King, ses affaires garçon. Toujours enjoy boisson alcoolisée à contrôle. Mobil E, c'est plus qu'un lubrifiant. C'est le mélange parfait de plusieurs huiles qui se transforment en molécules pour vous permettre d'aller plus loin, beaucoup plus loin qu'avant. C'est l'évolution de votre moteur. Choisissez les lubrifiants Mobil. Ici, vit l'énergie. Chérie. Je travaille dur. Je passe dans le cas chez Beltikai, ça oui. Beltikai, nous avons l'école, nous avons l'université, voyage, retraite. Qu'on y a ici un gros problème. C'est notre propre retraite là. Pas courir dit ça. On peut parler avec EIC. EIC a pu bien planifier l'avenir nous et jouer une plus bonne solution dans la gestion commune. EIC a un flexi-cash. Il aide à faire économie pour jouer l'argent pour réaliser rêve côté toujours gagné. Et Optima qui permet de jouer la vie ou l'on prend retraite. Oh, assurance qui a fait tout ça? Assurance, c'est un outil pour tout problème économique. Dans EIC, nous avons des solutions. Décision. C'est non mais nous lié. Est-ce que mon gars problème financier comme ça? C'est pas ça nous a souhaité, mais si ça t'a le cas, moi-même m'a continué t'aider madame avec toute famille. C'est que madame moi? Non, pas moi-même personnellement, mais dans EIC, nous porter solution pour tout assurer. EIC, prends une bonne décision. Relez EIC dans 28 12 63 00. EIC, c'est moins problème, plus solution. EIC à faire. Nous tendez ça au mandé. Et n'a pas tiré toute limite. Parce que leur perdit sans fin payer, ça n'est pas bon même. Koulia, ça fait perdre data avec l'idée la fini. C'est celle qui celle qui va rollover illimité sur data avec l'idée. On a créé un nouveau plan rollover avant d'y expirer et puis qu'il met tout ça en fin payer. Pas jamais se perdre encore. Allez sur l'application MyDigicel, la Koulia, et puis acheter plein rollover là. Digicel. Oh! Merci parce que nous toujours été branchés journal là sur télévision nationale d'Haïti information et après poursuivre pour coulier là nous parler Belle-Adère côté situation toujours difficile dans commune Belle-Adère spécialement dans zone qui servit frontière entre Haïti et République dominicaine d'après responsable groupe cap appuyer rapatriés et réfugiés GAR. Tension ça a déjà la cause gagnon moun qui perdu la ville et puis empêcher activité fonctionner dans zone ça d'après Géralda Saint-Ville responsable communication et plaidoyer dans gare. Géralda Saint-Ville souhaitait autorités concernées yo agir pour éviter situation dégénérée. On suit. Oui, moins que 3 mois autorité dominicaine yo a construit un complexe qui sous limite frontière là qui vient pour recevoir selon communiqué qui a été publié bureau de douane avec poste immigration poste de contrôle et autres et ben li fait li
tout près avec bonne par Haïti. Hein? Ça va le faire que dans la localité Kashima, dans le mur que qui a commencé à construire sous gouvernement La Motte en 2013, et bien il va continuer mieux ça. Et ça va le faire que l'autorité dominicaine qui vient plus avantage par rapport avec zone neutre là. Confusion tout par rapport avec construction mur là. Et dès lors, il va lever un mouvement de mobilisation. Mais le week-end dernier, il a brûlé caoutchouc, fait barrer route là. Et bien, par rapport avec les propos, provocations qui ont été intentions qui ont été gagnées, l'autorité dominicaine, surtout militaire dominicain, pour aller tirer à hauteur d'homme et marchand nan qui s'est d'Ado François pour l'affecter, de l'autre monde pour aller blesser par balle. Ça pour aller créer vraiment un vent de panique sous frontière là. N'était-ce pas intervention autorité policière, yo, situation était capi grave. Journée jodi a nous capable di frontière la bloquer, marché qui fonctionnait chaque lundi, chaque vendredi a pas fonctionné, hier pas de marché du tout et machine pas de cas circuler. Et dès qu'on mettait tête dans zone frontière là, on pral passer cachement ou à risque pour recevoir des jets de pierre, coups de roche et jets de bouteilles et autres parce que population pas voulait que moun traverser. C'est un gaffe que autorité dominicaine nous fait parce que tu dois avertir de construction mur ça. Puisque la population haïtienne a été installée sous lui pour éviter affrontement. Malheureusement, ça n'a pas fait, mais il y a un affrontement. Et après consultation technique qui est allée sous frontière, la garde côté bonne placé. Parce que le bon, problème, ça c'est au niveau de bonne 182. Bonne, c'est des points que vous faites pour identifier les limites frontières là, puisque nous connaissons la frontière là, c'est pour une ligne droite. Il y a des entrées sorties qui, à travers bonne placé, qui permettent de délimiter le territoire chaque État. Situation ça que posé, ce n'est pas la première fois qu'elle est faite. Et nous connaissons tout ça que nous devons signaler comme fait. Pour les frontières, il y a toujours un aspect contre les bonnes. Il y a des groupes qui ont intérêt en jeu, soit du côté de la République dominicaine ou du côté d'Haïti, qui prend plaisir tout alimenter le conflit. Ça, qui a fait que Livin dégénéré et qui a fait Livin encore plus et dégénéré. N'a pas enchaîné ensemble avec plateforme nationale secteur populaire Plan SPA qui commémorait premier anniversaire existence li mardi 19 mars lan. Dans l'occasion, un dirigeant a organisé un rassemblement à tout représentant yo sous thème yon l'autre système pour yon l'autre l'état. Plusieurs personnalités politiques étaient présentes dans l'activité ça, parmi eux magistrat Pétionville, Dominique Saint-Roch, Akek Palmentet. Président plateforme Land, Dieudonné Lérisson, expliquait plateforme nationale secteur populaire qui regroupait plusieurs organisations, gain pour objectif exiger élus by population en bon gens service. Dieudonné Lérisson profitait présenter bilan à perspective Plan SPA pour année cap venir. Pendant un an, nous mettons campé 10 coordinations départementales. Nous faisons formation pour le secteur paysan. Nous faisons formation pour le secteur la pêche. Là. Nous permettons à ce que plusieurs petits secteurs jouent une intégration dans l'État. Mais, ça n'aurait été pour nous faire, pas représenter en rien devant ça nous fait déjà. Perspective que nous gagnons. Un, nous prenons le gourmet pour nous réaliser premier forum national du secteur populaire haïtien. Deux, nous prenons le gourmet pour nous exiger pour gagner un pouvoir qui pour faciliter à ce que nous avons un seul système éducatif dans le pays. Parce que je dis, nous avons une école qui a fonctionné à plusieurs vitesses. Nous avons une école pour petit monde qui a l'argent. Nous avons une école pour petit monde qui n'a pas l'argent. Nous prenons le gourmet pour nous exiger pour gagner un État qui n'est pas un État pompier,
mais c'est un l'État qui sont l'État, yon l'État qui bail service. Bravo. Nous prenons le gourmet en dans secteur A pour aucun politicien pas continuer utiliser secteur A comme pont. Chaque fois, il y a besoin de pouvoir. 19 mars 1977, 19 mars 2019, marqué 42 l'année existence Parti national démocratique progressiste d'Haïti, PNDPH. Dans l'occasion, secrétaire général PNDPH, Jean-Antoine Vital, parlait sous création Patia et puis lançait un appel pour être ensemble dans la vie nationale. Pendant le mandat, autorité yo continuer travail pour changer condition la vie population haïtienne. Jean-Antoine Vital a porté plus d'explications dans le micro Colo Eliezer avec Michel Joseph. PNDPH lui-même dit, lui choisit mettre ça qui plus connaissance parmi moun qui plus yo. De cette façon, pays a plus moun qui connaissance, ça permet que pays avance plus bien. PNDPH c'est une parti politique tout qui croit dans l'alternance. C'est ça qu'il faut dire. Ils sont un parti démocratique. Ils croient dans l'élection, tout bon vrai. Dans l'élection, que c'est moun qui gagne plus force là, c'est lui-même qui a passé. D'ailleurs, nous tellement croyons dans l'élection que nous annonçons déjà à NSA, PNDP a supposé, a fait, pardon, congrès li pour lui changer de dirigeant. PNDPH, tout nous connaît que nous avons mis tête li avec l'autre parti pour lutter capable d'avancer. C'est ainsi que nous avons fondé Dr. Tineb Delpé, de regret et mémoire, pour le fonder en 1987 FNC. De même que FNCD en 1990. Et aujourd'hui, nous créons MOPOD. Parce que PNDPH toujours mis tête li ensemble avec l'autre parti. Nouvelle direction, le PNDPH là, entendu pour suivre ligne ça tout. Pas oublier que Dr. Delpé, lorsqu'il a réfléchi pour voir qui ça pouvait faire pour pays changer, il était fini par jouer une conférence nationale haïtienne souverainement. Kounyen a fait connaître un comité solidarité avec Radio Kiskeya qui déjà ramassé plus passé 9 500 000 goudes. Ak 128 736 dollars américains. Membre comité a présenté plusieurs autres activités à réaliser pour être capable d'arriver à rassembler 450 000 dollars américains cap aider reconstruire bâtiment Radio Kiskeya et puis joindre moyen pour Radio A capable acheter l'autre équipement. Deux membres d'un comité, Magali Komodeni et Carole Pierre-Paul Jacob, a porté plus de détails sur ça dans le micro Roland Laguerre avec Michel Joseph. Remercier son auto pour vraiment don ça que lui fait comité 1, on a un daïon et vraiment remerciement très spécial à M. Daniel Rosier qui vraiment dès le lendemain de l'incendie t'es relé pour t'offrir contribution hein, et contribution à matérialiser. Donc n'a pas répété, n'a pas insisté sur lui parce que c'est vraiment la grande action de levée de fonds, c'est rafle machine ça. Bien yo, nous mettons à un prix très démocratique parce que nous voulons que un maximum de monde qui capable d'acheter et que monde dans différents milieux qui a payé 100 gourdes pour ou capable de gagner une machine. C'est des billets que nous avons imprimés, qui étaient son processus qui était très lent, très long. Donc, ça vient de faire que c'est à partir de mars, nous commençons et mettre et préposer différents carnets dans des points de vente. Mais des barrières qui étaient fondamentales pour nous-mêmes comme comité, hein, c'est joindre des points de vente qui sont vraiment des structures ou bien des institutions. Dans le mouvement social là, dans le mouvement et progressiste là, qui a poté collé, qui était déjà exprimé en solidarité avec Kiskeya, mais qui voulait continuer, ouais, parce que ce n'est pas un bail commercial et raflaé, ouais. Rafla sont l'autre expression de solidarité.
Toujours dans le même sujet, ça. Même comité solidarité radio Kiskeya yo, by garantie, population a besoin toute information concernant marathon, ramasser l'argent pour recamper radio Kiskeya, yo considéré comme un patrimoine national. Edouard Poltre expliquait déjà gagné une compagnie qui relait Turier, qui offrit service li pour réaliser un audit sous gestion fonds pour reconstruire Radio Kiskeya. On suit. On rafle que nous voulons organiser le tirage là le 7 mai, et c'est jour anniversaire et Radio Télé Kiskeya. Et gagner des points de vente, gagner des monde qui prend engagement pour vendre billets et rafle. Moi voulais annoncer tout que gagner des contributions que nous recevons, et c'est des contributions en nature. Youn la dan yo nous ta remè di ça parce que c'est yon firme et d'audit qui offrit comité a pour lui faire audit campagne de levée de fonds pour nous. C'est la firme Tionnier. Moment arrivé pour prendre dernière pause dans le journal ça, arrêtez branché Neptune. Mobil E, c'est plus qu'un lubrifiant. C'est le mélange parfait de plusieurs huiles qui se transforment en molécules pour vous permettre d'aller plus loin, beaucoup plus loin qu'avant. C'est l'évolution de votre moteur. Choisissez les lubrifiants Mobil. Ici, vit l'énergie. Chérie, je travaille dur. Je pense que nous allons chez Beltikay, ça oui. Beltikay, nous allons à l'école, nous allons à l'université, voyage, retraite. Qu'on a ici un gros problème. C'est notre corps retraite là. Pas courir dit ça. On peut parler avec AIC. Et AIC a pu bien planifier l'avenir nous et jouer une plus bonne solution dans la gestion de corps. Et AIC a un flexi cash. Li aide au fait économie pour qu'on joue l'argent pour réaliser rêve côté toujours gagnant. Et Optima qui permet de jouer la vie ou l'on retraite. Oh, assurance qui a fait tout ça? Assurance, c'est un outil pour tout problème économique. Dans AIC, nous portons une solution pour nous. Décision, c'est non même lié. Est-ce que mourir après l'emfinage te fait ça? C'est pas ça que nous souhaité, mais si ça t'a le cas, moi-même, m'a continué de te faire madame avec toute famille. Te faire madame moi? Non, pas moi-même personnellement. Maintenant, AIC nous porte des solutions pour tout assurer. AIC, prends une bonne décision. Relais AIC dans 28 12 63 0 jours. AIC, c'est moins problème, plus solution. AIC à faire. Nous tendez ça au mandé. Il n'a pas tiré toute limite. Parce que les opérateurs disent qu'ils ont fini de payer, ça va bon même. Koulia, ça fait perdre des data et des data. C'est celle digicelle qui va rollover illimité sur data et limite. En effet, nous voulons prendre le roi avant de expirer et puis qu'il y ait tout ça au fin de payer. Pas jamais se perdre encore. Allez sur l'application My Digicel, la Koulia, et puis acheter plein de roi par là. Digicel. Oh! Merci parce que nous avons toujours été branchés information. Au dernier tranche en journal dans sous TNH mené nous dans actualité en l'autre bord de l'eau côté n'a fait connaître Beira, quatrième ville dans le pays Mozambique qui a fait face à divers problèmes après cyclone Idai été fin ravagé. Ministre Transport Zimbabwe a expliqué ses premières fois pays Zimbabwe a fait face à une catastrophe dans niveau ça. On suit ensemble. Beira, quatrième ville pays Mozambique là, complètement détruit après cyclone Idai fin saccager pays ya. Plus passé 1 million habitants qui t'a vivre dans ville ça, trouvé au dans mitan débris, tête caille vampoté aller ak pied bois côté de l'eau ak la boue empêché yo sorti. Ville là qui saccagé à 90% à cause la pluie, participants tombé et puis poté aller tout ça jeune sur route li tankou pont, l'hôpital ak l'école.
quelques rescapés étaient obligés d'abriter au sous-pied-bois pendant un temps de secours, pendant que l'autre était bloqué en bas des combes. Gros vent qui était continué à souffler sous Mozambique et Zimbabwe, a la cause plus passé 180 000 personnes perdu la vie dans des pays. Un bilan qui n'est pas définitif à cause de recherche a continué. Président Mozambique, là, qui qualifie la catastrophe de désastre humanitaire, m'a dit tout le monde qui était bon rivière, quitter zone pressé dans l'idée pour sauver la vie. 873 cailles, 24 l'hôpital, 267 salles classe, c'est PET qui a enregistré après passage cyclone ça dans ville Beira. D'après ministre transport pays Zimbabwe, c'est première fois pays Zimbabwe a connu catastrophe dans niveau ça. Merci Bergeline Clerno. N'a toujours été une actualité en l'autre bord de l'eau, ensemble avec Pape François, qui choisit refuser démission cardinal français à Philippe Barbarin, mardi 19 mars, malgré condamnation cardinal là devant la justice, peut-être l'y cacher à bisexuel, yon prêtre, Père Bernard Prégnat, sous Minet. Cependant, dans un communiqué qui publié lundi 18 mars, dans l'après-midi, cardinal Barbarin dit lui remettre démission. Pendant le préciser, Pape n'a pas accepté démission là, peut-être innocence. Cardinal Barbarin a toujours été archevêque Lyon, cependant, il déclarait la prend en pause pour un temps. Entre-temps, c'est vicaire général modérateur Yves Baumgarten qui pourra le diriger diocèse là. Sauf un changement dernier, Premier ministre britannique là, Theresa May, Pape qu'a soumettre encore. Vote sous accord négocié avec l'Union européenne là devant député britannique. Theresa May dit la fait une visite dans fin semaine non dans Bruxelles pour demander au reporter Brexit là pour un temps qui plus long en suivre. Président Chambre commune a opposé dans une ancienne convention parlementaire qui était là depuis le 16e siècle. Secrétaire d'État Brexit l'a fait connaître, le gouvernement a cherché une solution. La presse parlait de plusieurs possibilités. Idéa s'est amendé parlement passé sous convention, président Chamnan parlé de l'IA, et en façon pour qu'il y ait vote là avant déroulement Conseil européen. Mais si vote ça n'a pas été fait, Theresa May déjà avait dit majorité a, l'a fait en visite dans fin semaine dans Bruxelles pour demander 27 yo reporter Brexit là pour un bon petit temps. Si européens ont accepté, britanniques ont obligé de rester pour une période sans délai dans l'Union européenne et ont obligé de participer dans la prochaine élection européenne. Une bonne nouvelle pour monde qui d'accord pour Royaume-Uni rester dans l'Union et une déception pour supporter Brexit là. Président Sénat Karl Murat-Contave, Chita Palais mardi 19 Maslan, avec ambassadeur Chili en Haïti. Organisation élection, situation compatriote haïtien yo qui dans pays Chili, tenomitan discussion yo. Après vote Chambre députée à lundi 18 Maslan, dans quatre séances interpellation, gouvernement Jean-Henri Séance et un gouvernement démissionnaire d'après sénateur Willow Joseph. Ministère de l'Éducation nationale et formation professionnelle, dans tête collée avec UNESCO, tant lundi 18 mars 2019, l'an, yon atelier travail avec participation environ 50 responsables qui sont dans différentes directions départementales ministères. Situation toujours difficile dans la commune Belader, spécialement dans la zone qui servit frontière entre Haïti et République dominicaine. D'après responsable communication et plaidoyer Garland, Géralda Saint-Ville, qui précisait tension ça a déjà la cause, y ont moun mouri et puis empêcher activité fonctionner dans zone ça. Dans l'actualité en l'autre bord de l'eau, sauf un changement dernier l'air, Premier ministre britannique Lan Theresa May, Pape ka soumettre encore vote sous accord négocié avec Union européenne Lan devant député britannique. Yo. Merci tout le monde qui t'a suivi deuxième sortie journal pour semaine ça. N'a remercier toute équipe là qui t'est mobilisée pour te river en ni possible, salle des nouvelles là, régie en studio A, salle montage. Et puis n'a souhaiter nous toutes amis téléspectateurs une très bonne fin de soirée sur télévision nationale d'Haïti. Au revoir.